Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Robocraft. Donc, chers amis, pour la petite information, je suis toujours donc dans mon petit endroit où ça résonne un petit peu, j'en suis désolé. Pour la petite information, parce que beaucoup me l'ont demandé, enfin surtout une personne qui a insisté dans les commentaires, je ne peux pas inverser le sens de celle-ci. En fait, en les ayant mis dans ce sens-là, ça me permet de protéger en fait un peu plus le dessous, comme vous pouvez le voir avec ces deux-là. Et donc de mieux protéger donc mon armement. Donc non, c'est nécessaire que ce soit comme ça, même si visuellement ça fait bizarre, je suis désolé, c'est censé être comme ça. On m'a aussi dit une autre chose, si je ne me trompe pas. Alors. Voilà, alors. Certaines personnes m'ont dit de changer, de mettre sur celle-ci. Je vais dire oui et non. Pourquoi? Tout simplement parce que si je les change, ça ne changera rien, le trou sera toujours au centré. Celle-ci ne fonctionne qu'avec du 2x2. Voilà, ça c'est dit aussi, celle-là c'est pareil, elle fonctionne qu'avec du 2x2. Alors peut-être qu'elle fonctionnerait mieux comme ça, que les autres, je ne sais pas. Si je rajoute derrière celle-ci, je sais pas, je tente des choses chers amis, hein. On m'a dit qu'on pouvait améliorer encore le vaisseau, enfin, que j'avais qu'à chercher pour pouvoir l'améliorer, ça me dérange pas. Hop. Pour ceux qui se posent la question aussi du pourquoi du comment, je n'utilise pas parfois le comment le système de comment de parallélisme, tout simplement parce que j'oublie. Voilà, tout le monde se pose la question, j'oublie, ça m'arrive. Hop, voilà, pourquoi pas faire ça comme ça, on verra bien ensuite. Hop, on part dans la battle, on a plus peur. Oui, de la noix de coco, ta gueule. Bon, elle est pas mal, 8 sur 10 on va dire. Moi, top chef version drogue. Alors, ici, steak de vache folle avec des herbes de Provence. Mon dieu, ce chat est toujours aussi terrible. Alors, je tiens à signaler aussi que là où je suis, j'ai une moins bonne connexion et que ça risque de pêcher un petit peu sur tout ce qui est jeu en ligne. Je m'en excuse. Oh là là, en partant dans un ranked en plus, ça va être violent. On peut voir que les gens en fait attendaient le ranked en fait tout simplement. Bon, nous voilà partis. Alors pour tous ceux qui se demandent comment ça se fait que j'ai pu débloquer des trucs à différents moments, simplement parce que le tech tree qu'on voit, donc l'arbre de tech qu'on voit actuellement, n'est pas le premier arbre qu'on a vu, je tiens à le préciser. Le premier arbre de tech était totalement différent. Il vous obligeait à avoir, je crois, jusqu'au tier 4, ou au tier 3, je ne sais plus. Je crois que c'est tier 4. Uniquement les SMG, ensuite ça a évolué vers les nouvelles. Donc en gros, les armes n'avaient pas le premier tiers dès le début. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc arrêtez de dire, il y en a certains qui apparemment sous-entendent que j'ai triché, que j'ai utilisé des Uber Points, que j'ai... Alors non. Pour ceux qui, eux, me demandent pourquoi j'ai décidé de payer pour le jeu, bah forcément parce que le jeu me proposait des options qui permettaient de financer des aides, principalement à l'UNICEF, etc. Voilà. Donc j'ai payé, j'ai dû payer quoi, 10$ ou 15$ pour tout le jeu. Et cet argent est allé dans des associations, donc c'était vraiment parfait. Mais non, mais qu'il est con. Eh bien joué. Bien joué. Trop du cul. Hop là, il a pété. Fusion shield is now active. Your middle fusion tower has been captured. Ba 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 da ba da. Rail tank spotted. Bla, j'ai pris cher, mon dieu. Tout oui bédé. Oh, j'ai pas eu le temps. Dommage. Bon, pourquoi pas. J'ai quand même hâte de pouvoir faire mon petit vaisseau là, il va me coûter assez cher, mais j'ose croire qu'il sera efficace. Your bottom fusion tower is under attack. SMG tank spotted. Plasma bomber spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Boom. Rail walker spotted. SMG tank spotted. Aïe. Aïe.
Vite. Vite, un petit peu de régène, chers amis, on a perdu 20%. Ce vaisseau est vraiment assez vraiment fragile en fait. Alors, il est, je l'ai bien fichu, je l'ai bien amélioré par rapport à ce que j'avais trouvé. Donc moi, je l'ai plus ou moins, je vais pas, oula, je vais pas dire copier, mais j'ai pris le principe de pouvoir en fait avoir un robot qui ne tient qu'à quelques cubes, qui ne coûte pas trop cher en fait, et qui puisse être efficace. Mais bon, il est assez fragile, je dois le reconnaître. J'ai même pas vu ce qui me tirait dessus. C'est lui? C'est lui, un hélice. Alors, ça devrait pas fonctionner. Enfin bon, faut que j'arrête de rager pour des conneries, on m'a dit. Le jeu, il est comme il est. Voilà. Si les SMG étaient pas comme ça, il y aurait pas de kill avec, on pourrait pas rusher. Ouais, je trouve des excuses bidons, voilà. Boum! Mais je suis désolé, mais alors ça devrait pas pouvoir tirer correctement. C'est quoi ce truc, quoi? Quoi? Putain, mais je déteste tes vaisseaux avec les SMG T10 dessus. Ça devrait pas exister non plus, ça. Enfin, le pire, c'est qu'ils travaillent pour faire en sorte que ça n'existe pas. Mais pourtant, je peux vous assurer que ça existe, hein. Donc. Hop, touché. Non, tu ne mourras pas. Il va m'avoir. Il va m'avoir. Il m'a presque eu. Oh putain. Mon dieu, niveau propulsion, je suis limite. Est-ce qu'on a un heal dans le coin? Oh oui, vas-y, excuse-moi, heal-moi. Merci. Ah, ça fait du bien. Bon. Hop, merci. Aïe, bien joué. Bien joué, t'as été meilleur. Je reconnais que t'as du talent. Touché. Non, je l'ai touché ou pas? Je suis pas tout à fait sûr. Bon, je vais me soigner. Ça vaudra mieux. Par contre, on n'a clairement pas l'avantage. On est même directement, je pourrais dire, acculé. Pourtant, on a un heal efficace, hein, autant vous le dire. Je reconnais que notre heal est efficace. Il fait son boulot, comme on dit. Mais bon, ce n'est pas suffisant du tout. Ils ont deux snipers assez puissants. Je pense que je vais devoir passer par les extérieurs. Hop! Hop les. Oula. Oh, il me touche. Ah, je l'ai raté. Ben alors? Ah, là, ils sont nombreux. Là, je me fais défoncer, je me suis fait défoncer. Je vais défoncer. Je me suis fait défoncer. Mais regardez-moi ça, la distance, ça devrait pas toucher. Ah, ça pue. Bon, respawn. Je fais toujours pas. 2, 1, c'est parti. Avant de toucher le sol, ouf.
Bon, alors ça va encore être une défaite, on va prendre très très cher dans nos fesses, il faut vraiment que je reprenne le sniper. Il a dû se faire chier à le faire. Et je comprends qu'il soit efficace. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Putain! Ce véhicule ne devrait pas exister! J'y crois pas, on a ça de notre côté, on a du bleu! Sur roue! La gueule! Ok, bon, c'est parti. Allons-y. Oh putain, je sens que je vais me faire sniper encore. Je sens que je vais me faire sniper. Putain. Non! Putain de sniper. Ce sniper-là ne devrait pas exister. Il ne devrait pas y avoir de sniper volant. Voilà, c'est dit. Parce que ça nécessite de la stabilité normalement. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Off. Your top fusion tower is under attack. SMG tank spotted. Rail walker spotted. Hop, ça y est, j'ai fait un kill. Nom de Dieu. Your top fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Hop. Non. 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 Il se venge, lui. Bien joué. Allez, oh, t'es nul. T'as loupé ton premier tir alors que j'étais complètement immobile. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y. De toute façon, c'est une défaite, chers amis, il faut le dire. C'est une misérable défaite. Hop. Plasma drone spotted. Hop. Your bottom fusion tower is under attack. Rail walker. Hop. Plasma bomber spotted. SMG tank spotted. Ça me ferait chier que le sniper vienne m'emmerder en fait. Mais il va sûrement venir. Rail tank spotted. Hop. Allez. SMG takes. The top fusion tower has been captured. OK. Clock cycle booster activated. Plasma drone spotted. Rail walker spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Appelé. Rail walker spotted. Appelé. Your bottom fusion tower is under oh, attack. J'aurais dû toucher normalement là. Boum. Ah, j'ai plus de canon. Donc, on sait qu'il y a un danger ici. Je suis désolé, là je le vise normalement. Mouais. Alors, je me suis cassé le cul à choper des trucs et eux, ils ont tout perdu.
C'est pas sympa. En fait, t'as du mérite avec ton vaisseau parce qu'il est vraiment classe. Non seulement il est classe, non seulement il est efficace. C'est une idée à voler, ça. C'est une idée à voler. Allons-y. Hop, parfait. SMG tank spotted. Rail walker spotted. Touché. On l'a eu, je sais pas comment. Boum. Non. Non, je suis désolé, il est pas censé être précis. Il est pas censé être précis. Pour la petite information aussi au passage, chers amis, je peux vous annoncer, vous affirmer que la NASA a décidé de supporter donc financièrement un produit qui sera en fait le premier véritable overbike avec un système de double hélice à l'avant et à l'arrière. Je vous invite à chercher ça sur internet, vous trouverez sûrement. Vous mettez overbike, comment que ça s'appelle ? Crowdfunding. J'ai pas réussi à lui tirer dessus une seule fois. Your middle fusion tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Your middle fusion tower is under attack. Aïe. Et vous voyez, ça devrait pas exister. Bien fait, ça t'apprendra. Bon, l'équipe est pas trop mauvaise, on a un mauvais départ quand même malgré tout. C'est assez mal parti. C'est assez mal parti. Bon, 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 bon. On a perdu une tour supplémentaire. Bah, ça devrait encore moins exister, c'est dans notre équipe. Donc, bah écoutez. Mais il est classe son machin. Il fait vraiment robot, j'ai envie de dire, en plus en jaune comme ça. Ça dandine un petit peu. C'est cool. Ouh, je t'ai raté, toi. Touché. Railwalker spotted. Plasma bomber spotted. Plasma drone spotted. Aïe. Tank spotted. Bah, d'accord. Bon, bah, comme ça. Ça a le mérite d'être clair. J'aurais dû prendre mon sniper. Prochain épisode, on prendra le sniper, chers amis. Et bizarrement, ils ont en face un, deux, ouais, ils ont que deux trucs volants, remarque. Bah oui, on se défend, mais bon. On n'arrive pas à attaquer. Lui, je sais pas ce qu'il branle. Il a encore du jaune, quoi. Et il se balade. Hop. SMG tank spotted. Non. Rail tank spotted. Plasma bomber spotted. Rail walker spotted. Your bottom fusion tower is under attack.
plutonium reactor is under attack. Oh. A player has disconnected. Your respawn times have been reduced. Your bottom fusion tower is under attack. Il est plus maniable que le mien. Your bottom fusion tower has been captured. Touché. What, ils sont partout? Oh mais non. Il ne reste plus qu'une chose à faire, chers amis. Attaquer le leur. Ah bah oui, mais ils ont déjà le sniper là. Oh, c'est pas grave, on a fait un beau match. Boum. Ce que j'ai dit à ta maman hier soir. Boum. Ce que j'ai dit à ton papa avant hier soir. Bon. Eh ben c'est une défaite, chers amis. Bon. Bon. De toute façon, c'est pas avec le peu de dégâts. Bah, je suis le pire joueur de l'équipe, tiens, prends la peine. Ouais, je l'ai pas senti. Bon, c'est une défaite. C'est une défaite. Bon. Des 100 000 quand même. Ça nous rapproche pas des 10 millions qu'il nous faudrait. Mais bon, c'est comme ça. Eh bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom si vous voulez simplement participer à une session de tournage. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens!